Les allergènes dans les cosmétiques en 5 questions. Avez-vous l'habitude de regarder la composition des produits de beauté? Il faut être particulièrement vigilant car ce sont des produits que nous appliquons plusieurs fois par jour sur notre peau. Or, il peut arriver que certains ingrédients entraînent une réaction excessive de notre système immunitaire et provoquent une urticaire. Voici tout ce qu'il faut savoir sur les allergènes dans les cosmétiques en 5 questions. 1. Comment reconnaître une allergie à un produit cosmétique? Si vous constatez l'apparition d'une démangeaison, d'une rougeur ou de petits boutons après avoir appliqué une nouvelle crème sur votre peau, il ne s'agit pas forcément d'une allergie mais peut-être d'une simple irritation. En règle générale, l'allergie à un produit de beauté ne se manifeste pas lors de la première application du produit, mais plutôt après une phase de sensibilisation. Votre système immunitaire finit par s'emballer au contact d'une substance allergène et vous développez une urticaire. Les allergènes dans les cosmétiques entraînent généralement des boutons semblables à des piqûres d'ortie ou à un eczéma. Ce ne sont pas des boutons ordinaires mais plutôt de petites vésicules rouges qui suintent. 2. Comment identifier la substance allergène? Il n'est pas facile d'identifier la substance à l'origine de l'allergie car il y a plusieurs sortes d'allergènes dans les cosmétiques. Le plus souvent, ce sont les conservateurs ou les parfums qui sont à l'origine des allergies. Ces deux catégories d'ingrédients sont donc très encadrées par la réglementation européenne. Cependant, n'importe quelle substance synthétique ou d'origine naturelle qui serait totalement inoffensive pour la majorité des gens peut devenir allergisante pour vous. Pour tenter d'identifier l'ingrédient auquel vous êtes allergique, commencez par lire la liste complète des ingrédients qui composent le produit. Cette liste dite INCI, pour International Nomenclature for Cosmetic Ingredients, doit obligatoirement figurer sur l'emballage. Les ingrédients y sont classés du plus concentré au moins concentré. Les extraits naturels de plantes sont désignés par leur nom latin tandis que la partie de la plante et les autres molécules sont désignées par leur nom en anglais. 3. Où trouver la liste des substances allergisantes? Pour connaître les allergènes dans les cosmétiques et identifier celui auquel vous avez réagi, vous pouvez aussi utiliser la liste des 26 substances parfumantes reconnues allergisantes, voir le lien ci-dessous. Ces substances susceptibles de provoquer une allergie font l'objet d'une réglementation spéciale. Leur nom doit figurer dans la liste INCI des ingrédients si la concentration dépasse 0,001% pour les produits sans rinçage ou 0,01% pour les produits à rincer. 4. Les produits bio ou hypoallergéniques sont-ils plus sûrs? Attention, le label bio ne garantit pas l'absence d'allergènes dans les cosmétiques. Ces produits, généralement formulés à partir d'ingrédients naturels, contiennent souvent des huiles essentielles qui peuvent être allergisantes. En outre, il est tout à fait possible de faire une allergie à une substance d'origine naturelle. Quant à la mention hypoallergénique, elle signifie qu'un produit de beauté a été formulé de manière à minimiser les risques d'allergie mais, là encore, le risque zéro n'existe pas. Si vous connaissez l'ingrédient auquel vous êtes allergique, la meilleure prévention consiste à vérifier systématiquement qu'il ne figure pas dans la liste INCI. 5. Quelles sont les autres précautions à prendre? Certains produits de beauté sont plus à risque que d'autres pour les personnes allergiques. C'est par exemple le cas des colorations pour cheveux, dont les substances colorantes peuvent provoquer des réactions allergiques. C'est pourquoi il faut toujours suivre les indications de la notice et faire un test d'allergie dans le pli du coude 48 heures avant d'utiliser une nouvelle coloration capillaire. Il faut aussi mettre des gants avant d'appliquer le produit sur ses cheveux et bien respecter les précautions d'emploi en ce qui concerne le dosage du produit, le temps de pause et l'espacement entre deux colorations.